Chantal de mon cœur. Tu es resplendissante. Tu fais notre fierté à moi Jésus et à ton guide bien-aimé. Comme il te le dit souvent, tu n'as rien à faire, juste à être. Alors continue dans cette voie avec courage, car ta persévérance sera payante. Tu sais, ici nous voyons les efforts que tu fais jour après jour pour te déjouer de ton ego, et crois-moi, nous en sommes tellement heureux que tu ne peux même pas imaginer toutes les merveilles que nous avons prévues pour toi. Continue ta route avec courage. Je suis là avec toi chaque jour que Dieu fait et je suis très fier de toi. Tu es un grand maître. Tu nous éblouis. Sois tout simplement et tout s'accomplira pour la plus grande gloire de Dieu notre Père à tous. Dieu est là également avec toi à chaque instant. Ne l'oublie pas. Il guide chacun de tes pas vers le meilleur de toi-même. Tu nous fais honneur, tu fais honneur à la race humaine. Heureusement qu'il y en a quelques-uns comme toi qui nous permettent d'espérer un avenir meilleur pour cette humanité décadente. De grands événements vont arriver d'ici peu. Mais n'aie crainte, ce sera ce qui est juste en fonction de ce que vous avez fait à cette planète qui vous a accueilli avec amour et que vous n'avez de cesse que de la détruire. Il faut que ces enfants comprennent que ce n'est pas en vain que de nombreux prophètes des temps anciens, mais aussi les nouveaux prophètes des temps modernes vous mettent constamment en garde contre les mauvais traitements que vous infligez à cette planète. Eh bien non, ce ne sera pas sans danger pour vous. Chacun en subira les conséquences en fonction de son degré d'implication dans cet état de fait. Vous appellerez cela des catastrophes naturelles, mais sachez qu'elles n'ont rien de naturel. Ce sera la réponse de l'univers à votre incapacité à gérer correctement les ressources de la planète telles que vous les avez connues. La réponse sera implacable et j'espère que vous saurez en tirer les conséquences, c'est-à-dire que vous êtes personnellement responsable, chacun de vous. Car non, ce n'est pas de la faute des autres. Chacun est responsable à son niveau de la dégradation de la planète, et chacun à son niveau en subira les conséquences. N'y voyez là aucune punition, mais la juste rétribution de vos actes. Ne pleurez pas à l'injustice et regardez au fond de votre cœur ce qui a pu provoquer cela. Il est encore temps de faire marche arrière, mais en aurez-vous le temps et le désir. Ce temps approche à grands pas et ce sera pour le bonheur futur de l'humanité. Réveillez-vous, il n'est pas encore trop tard pour agir. Et comme dit le proverbe, commencez par balayer devant votre porte. Relisez mes messages, ils sont toujours d'actualité. J'espère que ce texte sera publié rapidement pour que chacun puisse en prendre connaissance et agir en son âme et conscience. Je suis vivant pour les siècles des siècles. Arrêtez de pleurer un mort. Je suis vivant. Je ne tolérerai plus ces débordements faits soi-disant au nom de mon Père. Il n'y a pas de peuple élu. Dieu n'a pas de religion. Il aime tous ses enfants de la même façon. Aimez-vous les uns les autres. Cessez de vous quereller pour des idées qui n'ont plus cours. Prenez conscience de votre valeur à tous et relevez la tête. Les temps sont à la joie de nos retrouvailles dans une osmose d'amour inconditionnel qui englobe tout le monde dans le même amour. Pensez à secourir les plus faibles, les plus démunis d'entre vous, car je vous le dis, ce que vous faites pour eux, c'est à moi que vous le faites. Vous ne pouvez pas regarder sans bouger toute une partie de l'humanité mourir de faim et continuer à vivre dans le luxe comme si de rien n'était. Et là, je ne parle pas des classes moyennes, je parle des classes dirigeantes qui s'emplissent de plus en plus les poches au détriment des plus démunis. Sauvez-les si vous voulez être sauvés, il s'agit d'une responsabilité mondiale. Cessez toute guerre. Vivez en paix, soyez dans la paix de Dieu le Père. Je terminerai là pour aujourd'hui.
Extrait du livre « Message de mon guide de lumière » disponible sur la boutique neurosatis.fr. Merci pour votre écoute. Rendez-vous dans notre blog sur notre site neurosatis.fr. Soyez heureux et restez conscients.